Et de salir un peu notre image. Moi, je suis parisien, musulman, fier. Je refuse et je condamne surtout tous ces actes terroristes. Je refuse qu'on instrumentalise notre religion au profit des grands pouvoirs et des grandes puissances. Donc voilà. Vous avez peur qu'il y ait des amalgames ? C'est pas, j'ai peur qu'il y ait des amalgames. Il y a énormément d'amalgames et c'est juste inadmissible. Je ne comprends pas pourquoi en France, dans un pays aussi cultivé que le nôtre, on puisse encore mélanger en 2014 terrorisme, acte terrorisme, vandalisme, barbarie à des religions. Il ne faut pas associer les religions aux actes, justement. On n'est plus à l'époque des centurions, on n'est plus au Moyen-Âge. Nous sommes en 2014, donc on n'a pas le droit. Vu qu'on a accès à toute l'information via Internet, c'est interdit. On a l'impression que c'est un mouvement qui vient de Grande-Bretagne, mais qui n'a pas l'équivalent ici en France. Est-ce que vous êtes seul ? Non, nous sommes beaucoup de toute façon. Ce mouvement vient d'Angleterre, c'est sûr, mais il est en train de se propager même en Algérie, un pays d'où je suis originaire. Il se propage un peu partout parce qu'on en a aussi ras-le-bol. On en a ras-le-bol qu'on nous mélange à n'importe quoi, à n'importe quel acte. Ça suffit. Nous-mêmes, nous allons travailler, nous avons la bravoure en nous, on se fatigue tous les jours pour pouvoir payer des impôts, pour pouvoir exister. Et moi, je trouve ça inadmissible aujourd'hui. Ce qui est fort, c'est qu'on arrive à tous nous séparer religieusement. Alors que moi, je condamne tout acte terroriste envers mon frère chrétien, envers mon frère juif, envers mon frère athée, envers mon frère bouddhiste. C'est juste inadmissible. Oui. Est-ce qu'il devrait y avoir un mouvement plus important qui se développe ici en France ? Il est temps qu'on sorte dans les rues pour s'exprimer, ça suffit. Ça suffit, on crée l'amalgame, on nous pousse dans des entonnoirs. On nous mélange à des pauvres terroristes qui servent à rien du tout, des légionnaires, des types qui viennent de n'importe où, des barbares, des mercenaires. C'est pas des religieux tout ça, il faut arrêter de faire l'amalgame. Tous les amis français, moi j'ai énormément d'amis français, juifs, musulmans, chrétiens. Je pense qu'il est temps qu'on s'unisse tous ensemble afin de se battre contre des actes terroristes inutiles. C'est simple, ce sont les grandes puissances qui créent ces actes afin de nous disperser, de créer la division entre nous. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Unir, penser à nos cœurs, penser à nos enfants. Parce que quel est l'avenir on va laisser à nos enfants? Moi, je suis papa et j'ai peur aujourd'hui pour mes enfants. J'ai peur pour mes enfants aujourd'hui. Que ce soit la France, les États-Unis, les pouvoirs politiques, c'est juste inadmissible de créer le chaos dans ce monde. Aujourd'hui, on est en train de créer le chaos pour profiter de tous ces pillages qui ont lieu dans toute l'Afrique. Mais c'est juste inadmissible. Inadmissible. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Je parle à monsieur Hollande. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, monsieur Hollande? Qu'est-ce qu'on va laisser dans les écoles laïques? Qu'est-ce qu'on va laisser dans les ghettos? Et qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Quelle est la réforme qu'on essaye de faire passer? Et pourquoi on s'attaque à l'Algérie depuis plusieurs mois, entre les soucis d'Air Algérie et plein d'autres incidents qui ont lieu? Le terrorisme en Algérie, ça fait 25 ans qu'on le vit. Et pendant la décennie noire, j'arrêtais pas d'aller faire des tours en Algérie. Justement, j'ai tellement d'amis qui, justement, en souffraient pour de vrai. Mais voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi la France ne fait pas en sorte, au niveau des médias, qu'on montre l'unité des religions. Pourquoi vous êtes seul? Tu ne vois tu es rare. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est tout, point barre. Moi, je dénonce voilà. Ça. Premier, mais qui vous, la déontologie de l'islam. Qui vous prône que le monsieur... Il y a un mort. Il y a un mort. C'est des musulmans qui l'ont tué. Mais donnez-moi la preuve. C'est pas une dispoine que c'est un musulman. C'est un camicat. Ah, ils se disent. Allez le voir, demandez de lui réciter. Allez le voir. Pardon.